Hey, salut tout le monde, c'est Bouskaman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny et on est sur Xbox One. Alors, j'aurais pu le prendre sur PS4, mais j'aime beaucoup la manette de Xbox One pour les FPS. Et vu que Destiny, bah, ça fait partie de la catégorie des First Person Shooter, et bah, je l'ai choisi sur Xbox One. Tac, et puis on va faire choisir une destination alors. J'ai pas acheté l'extension, c'est vrai que le magasin où je l'ai acheté me l'a proposé, mais je n'avais pas envie de me le procurer maintenant, hein, en sachant que je pourrais le faire plus tard. Pour l'instant, j'ai envie quand même un petit peu de découvrir le jeu, on sait jamais s'il me plaît pas. J'ai déjà fait la bêtise d'acheter l'extension, par exemple, de Call of Duty Advanced Warfare sur PS4, que j'ai revendu aujourd'hui d'ailleurs, vu que je l'ai sur Xbox One et PC, enfin ça servait à rien que je l'ai en trois fois. Donc je fais, voilà, je vais pas refaire la même connerie deux fois. Donc je sais que les temps de chargement sont quand même assez longs. J'ai fait la première mission pour pas vous spoiler non plus. J'espère que vous ne verrez pas ma souris, normalement c'est bon. Donc oui, j'ai fait la première mission, voilà, une petite mission un petit peu pour vous faire découvrir le jeu, toutes les fonctionnalités, tout ça. Donc avec la version Xbox One, donc vous avez le pack édition armurerie, donc qui vous donne un accès anticipé aux armes et à l'équipement de l'avant-garde et un emblème exclusif de l'avant-garde. Voilà, tout simplement. Je sais qu'on a des armes exclusives sur PS4 qu'on n'a pas sur Xbox One, enfin. Bref, les versions sont à peu près identiques, sauf qu'on a un petit peu plus de contenu, je crois, sur PS4. Hop, donc je vais vous montrer vite fait mon personnage ultra ultra stylé. Tac, donc le jeu est en 30 FPS 1080p, je peux vous dire que c'est extrêmement fluide. Alors, ouais, s'il n'y a aucune baisse de framerate. On va parler vite fait un petit peu des polémiques entre les versions PS4 et Xbox One. Alors certains disent que les versions PS4 sont, la version PS4 est plus belle que la version Xbox One. Un moment, le studio Bungie a dit qu'il y avait une des deux versions, ils n'ont pas dit lesquelles, une des deux versions qui était un petit peu plus avantagée que l'autre. Alors attendez. Bienvenue à la tour. KND Monitor, de nouveaux chasseurs qui arrivent à la tour. L'équipement. Qu'est-ce que je dois faire? Vous allez adorer. Donc, attendez, 2 secondes, je vais terminer vite fait après ce que j'avais à vous dire. Ouais, vas-y. Bah, ok, d'accord, je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est une mission. Donc là, il me propose d'acheter des trucs, hein. Ouais, bon, pour l'instant, je m'en fous, hein. J'ai un sniper et une mitraillette de type stylé, genre un peu M4, on dirait. Mais j'en ai rien à foutre. Hop. Alors, je connais pas encore tout à fait le jeu. D'accord. Ok. Mais moi, je m'en contrefiche. Tu le sais ou pas? Non, là, j'ai juste envie d'aller faire une mission. Donc oui, on va vite fait parler alors des différences entre PS4 et Xbox One. Alors, ce qu'ils ont dit, hein, le studio Bungie, c'est que il y avait jamais trop tôt. un petit peu plus Le poids est assez élevé, de baisse de framerate sur Xbox One, mais c'était réellement rare et vraiment occasionnel. Par contre, et ça ils l'ont dit, hein, je me suis renseigné vite fait avant, qu'il y avait certains moments dans le jeu, ok d'accord, vas-y on se fait un foot ma gueule, certains moments dans le jeu qui étaient. Les contrastes étaient à certains moments un peu plus beaux sur Xbox One. Alors, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Donc, ils vont me l'afficher combien de fois ce message? Oui. Ok, de toute façon. Oui, alors qu'est-ce qu'ils me mettent? Voilà, c'est ce qu'ils voulaient que je fasse. Génial. Ah, voilà, on va aller là-bas. Donc voilà, après je sais pas moi, sincèrement j'ai regardé les différences et tout, il y en a presque aucune, enfin sincèrement. Peut-être que le jeu est un petit peu plus sombre sur Xbox One, mais sinon voilà. Bon bref, on s'en fout, on est là pour s'éclater. Alors je pense que vous n'avez pas attendu ma vidéo pour aller vous mater des petites vidéos sur ce jeu, hein. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu pas mal de choses. Moi je l'ai acheté aujourd'hui, alors je découvre en même temps que vous, ou pas forcément d'ailleurs. Excellent choix. Donc là, c'est encore le didacticiel en fait. Merci. Hein. Merci. Ok. Et je dois aller où maintenant, sans déconner?
Alors je découvre, hein. Peut-être qu'il y en a, ça va les faire chier, mais what the fuck. Ok, bon, on va pas aller là-bas, tu vois, j'ai pas envie. Tac, tac, tac. Donc les petites musiques sont plutôt épiques. Le jeu a été élu aussi l'un des meilleurs jeux parce que les musiques étaient vraiment stylées. Rendez-vous en orbite. Ah, il me manquait un vaisseau en fait, c'est peut-être pour ça. Ah, je suis con, ouais, parce que le premier vaisseau qu'on a, c'est une épave. Il nous a juste suffi pour revenir à la base, en gros, et vous devez avoir un vaisseau. C'est pour ça que j'ai pas pu forcément me barrer tout de suite. Donc, plutôt sympa le vaisseau. Alors, ah oui, après, on peut. Vas-y. Hop. Donc, c'est plutôt assez sympa. Lancer l'activité. Bah, de toute façon, il a pas le jeu, le seul ami que j'ai là. Donc, hop. Donc sinon graphiquement c'est plutôt beau, alors c'est une espèce de cel shading mais en beaucoup beaucoup plus fin. Alors qu'est-ce que c'est le cel shading pour ceux qui savent pas, c'est des jeux de type comme Borderlands. Mais là c'est beaucoup beaucoup moins prononcé, c'est juste... Nous avons eu la chance de trouver ce vaisseau. Voilà quoi, c'est beaucoup plus fin on va dire graphiquement. Mais il nous faudrait une boîte de distorsion pour aller combattre. Et pour en trouver une, je ne vois que le cosmodrome. Nous avons survécu une fois au déchu, nous leur survivrons encore. Alors en fait, ça c'est des temps de chargement, mais vous foutez une espèce de petite voix off qui vous dit un petit peu ce que vous allez faire pour pas trop avoir un long temps de chargement. Là pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein. Le vaisseau d'un gardien a été abattu par ici. Nous pourrions en récupérer des pièces. Alors vous voyez quand même graphiquement, c'est vraiment super beau. 30 images par seconde. Encore pour le multi, c'est un petit peu dérangeant, mais pour. Oh putain, il fait mal. Mais. Oh putain, la tête que j'ai mise. Mais pour du solo, croyez-moi que c'est largement suffisant. Alors, on va suivre la petite flèche dans notre mini-carte en haut à gauche. On a nos munitions. Ah, il n'y a que... Ah, je me dis, attends, c'est un magnum. C'est à 6 balles, normalement. Quoi. Ok, donc lui, il m'attaque. Normal. Ok, c'est one-shot, ce machin. Ah, bah mec, tu vas mourir. Hop, on va prendre le sniper, regardez. Attendez, on va se faire un... Quickscope dans ta face, ma gueule. C'était plus un flashcope, mais bon, hop, voilà. Oui. Et donc, ça me fait quoi, ça? Invocation impossible, se rendre en orbite. Ok, très bien. Petite animation. Les systèmes sont complètement morts. Ouais. Mais je pense pouvoir récupérer leur dernière transmission. On va recharger. Ils ont réussi à restaurer un relais d'information dans les tunnels en dessous. Allons voir ça. Tac, alors, ce qui est bien et ce que j'aime pas forcément dans le jeu, c'est que vu que c'est un multi, enfin vu que c'est online, vous pouvez pas vraiment mettre pause, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, vous pouvez pas mettre pause. Là, par exemple, si je mets pause là, je vais me faire défoncer. Attends, regardez, hop, et ouais, ma gueule, t'as voulu chercher Blue Skyman. Alors aussi, je voudrais vraiment, vraiment vous remercier parce qu'on a passé la barre des 250 abonnés. Et ça me fait extrêmement plaisir, mais vous imaginez même pas à quel point. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas énormément actif, même si c'est les vacances. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ont 2 semaines. Moi, je n'ai qu'une semaine parce que je travaille et qu'il va falloir que je prépare le 31. Donc ça me fait chier. Parce que, ouais, il va falloir que je prépare le 31 pour... on a beaucoup de taf en cuisine et tout. Alors, la petite différence entre Borderlands, je vais pas m'empêcher de les comparer un petit peu, hein. Mais vous ne pouvez pas loot d'armes apparemment. Alors peut-être que si vous tuez des boss, normalement ils lootent des armes peut-être les boss. Mais là les ennemis normaux comme ça ne lootent aucune arme. Voilà. Ok. Donc il y a quelques petits endroits comme ça un peu flippants dans le jeu. Moi personnellement je m'en bats les couilles. J'ai mis mes écouteurs. Carte complète de la zone. Donc j'ai le son vraiment de ouf.
qu'il nous faut, c'est la boîte de distorsion. Comme ça... Et même le viseur, il est cassé et tout, c'est plutôt sympa. La plupart, en tout cas. Des beaux effets de lumière. Nous avions dégoté notre vaisseau. Il faut y retourner. Ok. Vas-y. Là, j'imagine qu'il va y avoir des ennemis plein dehors. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller explorer la Lune. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que vous n'avez pas une gravité supplémentaire sur la Lune. C'est-à-dire, c'est la même gravité que là. Je trouve ça vraiment dommage. Voilà, ils auraient pu faire un petit... Ça se trouve, ils n'y ont même pas pensé, en fait, dans leur tête. C'était... Voilà, mais... Là, déjà, vous avez une petite gravité. Vous le voyez un peu comme dans Borderlands 2. La même gravité que dans Borderlands 2, pour ceux qui ont joué au jeu. Et c'est vrai qu'on aurait pu avoir une gravité supplémentaire, un peu comme dans Borderlands The Pre-Sequel, ça aurait été sympa. Hop. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de balles. Alors cette arme, elle me fait vraiment penser à la M4, hein. Je sais pas à vous. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est un coéquipier ou... Attends, mais mec, c'est un coéquipier ou... Ah ouais, c'est un coéquipier. Ok, il est level 31. Mais mec, quoi, arrête de niquer mes... Et voilà. Ok, d'accord, j'ai un coéquipier avec moi. Très bien. Le mec a décidé vraiment, vraiment de me faire chier. Ma vidéo. Non, mais c'est sympa. Mais voilà, quoi, c'est... Vous pouvez pas forcément trop le prévoir, en fait, si vous voulez. Puis le mec, je crois qu'il m'entend. Ouais, il m'entend en plus. Vu que je suis branché avec le casque. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc tout con. Hop. Attendez une seconde. Voilà, ça va être carrément mieux. Alors j'espère que le son ne sera pas coupé pour vous. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que le mec m'entendait constamment dans le chat du jeu. Donc en fait, je savais pas qu'il y avait un chat. Donc en fait, tout le monde m'a entendu parler comme un con depuis tout à l'heure. Non, mais voilà, je me suis barré. J'ai branché juste mes écouteurs à mon PC et puis voilà. Et je sais même pas où aller ma barre de vie, c'est pas le truc en haut là. Je croyais que c'était ma barre d'XP, mais en fait pas du tout. Hein. Ah non, ma barre d'XP elle est en bas, ok. Et ma barre de vie est en haut, très bien. Ah, on a des grottes, alors des fois il peut y avoir des trucs cachés, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, pisteur et mousse, je sais pas trop ce que c'est. Vous voyez qu'en haut à gauche, ma barre. Mon espèce de mini-carte m'indique où sont les ennemis. Attends, ce double headshot, mes amis. Là voilà. Le jeu est vraiment pas du tout dur à prendre en main. Ça reste du FPS classique. Attends, qu'est-ce qu'il y a là? C'est devenu tout sombre. Qu'est-ce qui se passe? Événement imminent. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai peur. Putain, mais c'est quoi ça? J'ai pas. En fait, j'ai pas vu. Putain, lui il a pas cher, excuse-moi. Arrête de vivre. Alors qu'est-ce qui se passe sans déconner? Ok, d'accord. What? Ah, j'avais pas vu ça. Très bien, ok. Le jeu est vraiment sublime, les arbres bougent et tout, c'est vraiment cool. Hop. Alors attendez, parce que moi vous savez très bien que... Ah, dommage. Je suis obligé de garder mon snipe en arme secondaire. Vous savez, j'aime bien quand même les petits 44 magnum et voilà. Trucs comme ça. Je cherche la boîte de distorsion. Ah, une mauvaise nouvelle. Elle est entre les mains des déchus. Ouais. Et ça fait quoi? J'espère que vous êtes prêts. Ouais, je suis prêt, t'inquiète. Alors ce qui est bizarre, c'est que quand... Regardez. Attendez. Ok, d'accord. Quand vous sprintez, en fait, la sensibilité baisse. Et quand vous êtes en normal, comme ça, la sensibilité reprend sa normalité, hein, si je puis dire. Alors c'est bien parce que la vie se régène, quoi. C'est pas comme dans Borderlands où vous savez, vous deviez trouver des petites seringues. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, hein, c'est le système de Borderlands. Hein. Je pense pas qu'ils ont non plus voulu copier à mort. Même si je peux pas m'empêcher de comparer les deux. C'est un petit peu le même but, on va dire. Sauf que le monde a l'air beaucoup plus vaste quand même sur... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il y a encore des ennemis. Oh, il y a un boss. Ouais, vas-y. Oh, putain. Il a quand même pas mal d'HP. Hein.
Alors attendez, on va tuer un peu tous les sbires à côté là. Je crois qu'ils reviennent à l'infini, de toute façon tant qu'on tue pas l'autre connard, ça sert à rien de les... Bon, attends, on va quand même... Au pire ça nous fait monter en XP, donc on s'en bat les couilles. Hop, on va passer niveau 3, comme ça, ça sera assez, assez folie. Alors, je sais pas ce qu'il m'envoie, ça commence à me saouler d'une force. On va prendre le snipe et on va lui foutre des headshots. Ça a carrément plus vite. Attends, là, il s'énerve. Oh putain, j'ai plus de balles, va te faire enculer, quoi. Au pire, on prendra le magnum. Ah, vous savez quoi, on va le prendre. Ça me fait chier. Hop, voilà. Hop, voilà, comme ça on les one shot. On va attendre que notre barre de vie remonte un petit peu. Alors je crois que je dois être le seul type qui tente des boss au magnum. Voilà. Alors je sais pas comment il s'appelle ce gun, non, moi j'appelle un magnum parce que voilà quoi, c'est... Ah ok, très bien, non mais je me fais complètement pisser dessus, sans déconner, j'ai... J'ai plus de balles dans aucune arme, quoi. Bon, vas-y, bah... Non. Ce sera pas pour aujourd'hui, le boss au magnum. Vas-y, taille-toi un peu, là. Les mecs, t'arrêtes pas de bouger aussi, hein. Alors, je compte lancer aussi sur ma chaîne les facecam. Alors, j'en parlerai plus dans une de mes prochaines séries Codelog. Alors, qu'est-ce que ça va être, les Codelog? J'avais fait un épisode sur Battlefield, où en fait je vais vous expliquer ce qui va arriver sur ma chaîne, mon actualité, tout ça. Et ça sera sur un petit gameplay de Call of Duty en live ou pas forcément, ça dépendra du nombre de choses que j'ai à vous dire. Putain, le headshot que je viens de lui mettre là, c'est violent quand même. Hop. Donc normalement les code logs, je vais les faire en facecam, voilà. Succès déverrouillé. Hop, voilà, on ramasse un petit peu toutes les munitions. Bon, voilà, niveau 3, c'est cool. Et puis en fait, non, les seuls trucs qui loot, c'est des munitions. Nous avons entravé les déchets et récupéré une boîte de distorsion. Nous pouvons aller nous battre sur la lune. Il faut que je vous présente au guide. Le guide. Ça fait un peu secte, tu sais, le guide. Le guide. Je suis là pour vous guider, mes amis, mes frères. Venez avec moi. Il vous suffit juste de donner 10 000 euros et je pourrai vous guider. C'est un petit peu ça. Hein. Ok, progression, ça pèse. Aucun contrat ne vous a été assigné. Le Skyman, le professionnel, comme d'habitude. Alors, bien sûr, je déconne. Alors, je suis toujours en période de découverte, là, sans déconner. À Noël, je ne suis pas chez moi, donc je vais essayer de vous recorder une vidéo bien le jour de la sortie de celle-ci. Là, il est 1h du mat, mais en gros, elle va sortir aujourd'hui, c'est-à-dire mercredi. Et j'essaierai d'en record une demain, de vous record un petit code log en facecam. Et vous me direz après si ça vous plaît, suivant les réactions que vous avez, bah, je continuerai à faire ça. Et une nouvelle série sur GTA V qui va arriver, voilà. GTA V PS4, bien entendu. Vous voyez quand même graphiquement c'est beau. Alors, je sais pas si ça vient de mon écran ou pas, mais je vois quand même qu'il y a un petit peu de grainelage. Alors, qu'est-ce que c'est le grainelage? Vous savez, c'est... Il fut une époque. C'est pour... C'est les textures qui ne sont pas forcément lisses à certains endroits. C'était... Mais ça bouffe énormément de puissance. En attendant le jour. Mais là, il y en a pas. Hein. C'est juste sur certains moments. Je suis celui qui parle pour le voyageur. Vous avez sûrement de nombreuses questions, gardien. Avant de s'éteindre, le voyageur a créé les spectres dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme. Des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur. Que lui est-il arrivé ? Je pourrais vous parler de cette guerre il y a bien longtemps. De l'agonie du voyageur. Si vous entendez mes tous, c'est juste parce que j'ai envie de zapper. Ah, on avait celle-ci aussi.
Dans la et cité, on a un nouveau sniper. On raconte ces histoires pour qui gagne un petit peu en impact. Hein. Alors eux, ils disent pas dégâts, ils disent impact. Ok. Les enfants n'ont plus besoin. Il perd un peu en cadence. Déjà que le TT pas trop élevé. On s'en fout complètement de ce que dit le guide. Déjà, je sais même pas comment il fait pour parler avec son masque dégueulasse sur sa gueule. Ça se trouve c'est un robot, je sais pas quoi. je m'en fous en fait. Ces armées nous encerclent. Il y aura une série Minecraft aussi qui va sortir sur PS Vita. Que puis-je faire? Une petite série. Survie, bien entendu. J'essaie de faire un truc pas trop long. Les gardiens se battent sur Terre et ailleurs. Rejoignez-les. Votre spectre vous guidera. J'espère juste qu'il vous a bien choisi. Tu sais, j'ai un peu le skin Maintenant, nous sommes inséparables. Du Ken un peu, tu sais, Ken et Barbie. Hein, le mec avec la chevelure au gel époustouflant et à la peau douce et délicate grâce au fond de teint. C'est un petit peu ça. Waouh, magnifique. Putain, les éclairs et tout, c'est plutôt pas mal. On va aller jusqu'aux 30 minutes de vidéo. Ok, choisir destination. On s'en bat les couilles des améliorations personnellement. Ok, qu'est-ce qu'il nous propose de plus? Voilà, on va faire ça. Ça sera la dernière mission. Non, lancer l'activité, je m'en fous. Et puis, comme ça, je vais faire le montage et puis je vais l'upload. Et puis comme ça, direct après, je vais aller enregistrer le code log où je vous expliquerai un petit peu plus le détail de mes séries qui vont arriver et voilà. Certains rapports disent que les déchus du Cosmodrome défendent fermement le vieux relais cosmique. Peut-être y a-t-il un de leurs chefs là-bas, ou qu'ils y gardent quelque chose de précieux. Le guide veut que les gardiens aillent y jeter un coup d'œil. Ok, donc nouvelle arme. Le relais cosmique est de l'autre côté de la steppe. Et il est encerclé par les déchets. Bien. Dites-moi quand vous serez prêt. Ah, c'est une arme à rafale. C'est pas pour nous déplaire. Pas pour nous déplaire. Alors, elle a l'air assez puissante. Alors, je vous assure que là, j'ai même pas envie de me dire ce qu'ils me mettent là. Putain, vas-y, qu'est-ce que tu veux encore, quoi. Je sais pas trop à quoi ça me sert, ça, mais je m'en fous. Cet endroit devait être incroyable avant la chute. Des milliers d'humains qui embarquaient dans les vaisseaux coloniaux pour s'envoler vers des villes extraterrestres. Il n'y a plus que des déchus. Donc en fait, le cel shading, on le remarque que sur l'arme, hein, pratiquement. Sinon, au niveau des décors, c'est pas tant marqué que ça. Hein, on voit bien quand même les petits traits un petit peu sur l'arme, mais sinon, au niveau du décor, on dirait plus un jeu. Avec des graphismes normaux. Sur la colline, le bâtiment avec le radar, c'est le relais cosmique. J'ai envie de mettre des têtes au sniper. Putain, le nombre de points que je viens de mettre. Ok, il y a encore un autre mec avec nous là-bas qui se balade tranquillement. Putain, je leur mets cher là. J'allais dire, je loupe presque qu'une balle, mais. Pile poil quand j'allais le tuer, sans déconner quoi. Voilà. Putain, le long shot. Le gros long shot que vous avez jamais vu de votre life. Bon, attendez, est-ce que lui il avait quelque chose sur lui? Non. Ok. Toi, t'étais pauvre apparemment. Enfin, le jeu, on a décidé ainsi. Ah, ok, donc lui, il est en mode. Il est en mode fils de pute extrême. Le mec est juste en mode invisible. Il s'est cru sur Advanced Warfare. Hein, il a activé son exosquelette.
Attends, on peut pas l'enlever. Putain, j'ai cru que je pouvais lui mettre un... Vous savez, les vieux coups de poing en l'air, et puis tu redescends en... Putain, j'ai un peu rêvé, là. Ok, c'est bon. J'ai de nouveau des balles dans mon snipers. Putain, j'ai vraiment... À chaque fois, j'ai l'habitude de double sauter. C'est le mec qui est un petit peu trop... Hein. Ok, lui, il est die. Vous avez vu ça? Putain, mais c'est quoi à chaque fois quand ça change de couleur? Attends, j'ai envie de voir. Ah, ok, ça vient de là-bas. Ah, d'accord, c'est quand quelqu'un se téléporte. Alors, voyons voir un petit peu. Putain, les effets de lumière, sans déconner. What? Ouais. Oh putain, je vous assure, j'ai badé là. Oh, comment j'ai. Putain, j'ai flippé quand j'ai vu l'aile d'avion sur ma gueule. J'ai cru que c'était un truc qui était juste au-dessus de moi, tu sais. J'ai flippé, mais en fait, non, c'était juste une aile d'avion. Voilà. Faut arrêter de s'exciter pour rien. Putain, j'ai encore des frissons à cause de ce que je viens de ressentir. Hop. Attendez, c'est là-bas qu'il faut aller maintenant ou c'est quoi ça? Attendez, il y a marqué 57, 50 machin là. Attendez, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors vous... Oh, attendez, lui là. Hop. Attendez, parce qu'on va aller là-bas, là. On va pas le tuer, l'autre dernier, là, on s'en bat les couilles, on ira le tuer tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous prenez le snipe, qui est censé être une arme un peu plus lourde, vous n'avez pas... Vous marchez, enfin, vous courez avec la même vitesse, voilà. Très bien, allons-y. Bah, allons-y quand tu veux, quoi. Attends, mais c'est quoi, ça? Vainquer les équipes d'extraterrestres. Ah ok, d'accord, c'est genre une petite zone de combat quoi. Genre une espèce de petit face-à-face duel. Ok, c'est sympa. C'est sympa, fallait y penser. C'est plutôt assez sympathique. Par contre toi tu vas fermer ta gueule quoi. Voilà quoi. S'il te plaît. Tu sais à qui tu t'adresses là? Au Grand Blood. Ok. Hein, chasseur d'extraterrestres depuis 1874. C'est tout ou... Il y en a encore un qui va se faire défoncer l'anus. Voilà. Ok. Ok. C'est... D'accord. Ok. Je vois pas trop l'intérêt parce que là c'était plutôt assez simple. Alors après j'imagine qu'il va y avoir des vagues un petit peu plus waouh que ça, tu vois. Ah j'ai des grenades, merde putain. J'ai pas vu l'explosion pour le coup, j'aurais bien voulu voir ce que... J'ai baissé ma caméra. Ah, il y en a une autre là-bas. Non mais attendez quoi, c'est bon quoi. Hein? Ah ok, d'accord, il y en a plusieurs. Et puis en plus j'ai plus de grenades. Ah mais calme-toi s'il te plaît. S'il vous plaît quoi. Il y avait un mec en invisible là, il y a deux secondes. Attends, c'est quoi cet œil C'est quoi cet œil du turfu là? Truc violet là. Ça fait mal. Maman, j'ai peur. Il ne reste presque plus de temps. Ah ouais, c'est vrai, 27 secondes, tu as raison. Non mais c'est quoi ce machin là? Ça fait peur. Ne mettez pas des trucs comme ça quoi. What? Ah oui, je vais pas avoir le temps bébé. J'ai mon arme, hein. 21 balles, il se fait un peu de ma gueule. Hein. On peut pisser dessus. Hein. Non, alors mettant des headshots, c'est un peu long quoi. Après, j'aimerais bien le tuer ce machin, mais bon, c'est trop tard. Nous avons presque tous battu. La prochaine fois. Maman ! Ça fait quoi si je meurs ? Putain, j'ai plus de life. Ok, d'accord, peut-être que je. Gagner un petit bonus d'XP supplémentaire si je les battais dans le temps imparti, je sais pas. Putain, les headshots, ma gueule, il est gourmand lui, il en prend au petit déj ou quoi, des balles. Alors aujourd'hui, menu tête, voilà. Non mais le mec, il... voilà quoi, ça me connaît, il...
Ok, donc lui, il y a marqué pas de niveau. Hein, c'est une espèce non répertoriée dans la race des fils de puterie. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'il... Ok, d'accord. Je me suis fait défoncer. Premier fail, voilà. Hein, on va y retourner, puis on va aller se venger. Voilà. Et puis après, on s'arrêtera là, parce qu'on est... Oh, allez, non. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de plus de 30 minutes. Donc, pourquoi pas le faire. J'espère que vous regarderez jusqu'au bout. Alors, je sais après que ça fait un peu long pour certaines personnes. C'est vrai, c'est long quand même. Putain, j'ai déjà plus de life. Ils font mal, ces éclairs argentés, là. J'ai plus... Oh là là, sans déconner. J'ai l'impression qu'ils reprennent leur vie à chaque... Non mais attends, ils sont juste imbattables. Attends, mais ils sont imbattables, les mecs. Bon, attends, on va aller à l'objectif, parce que sans déconner, c'est bon, quoi. Les mecs, ils régènent leur vie automatiquement. Attends, lui, fais voir. Immunisé. Ah, d'accord, en fait, depuis tout à l'heure, je tire des balles dans le vent. Ok, très bien, d'accord. Eh bah, au revoir. Au revoir, monsieur le méchant homme. Vraiment sublime. Alors, ce qui est marrant, c'est que... On a l'impression de retrouver un petit peu des corps de la Terre. Alors après, on est sur la Terre. Hein. Mais c'est vraiment sympa. Enfin, alors ils sont pas immunisés quand même. Non, c'est bon. Non, parce que je me méfie maintenant. Hein. C'est bon, quoi. Les mecs qui me touchotent avec des espèces de comment, d'étoiles de ninja, là. Je sais pas quoi, des shurikens, là. Lui, il a un bouclier, sans déconner. Oh, oh, grenade. Et on voit l'explosion. D'accord, ok. Je crois qu'il y avait une grenade, ou peut-être qu'elle a pas explosé, tout simplement. Alors, vous savez ce que j'ai envie de faire? Ah, mais putain, j'ai jeté ma seule grenade et j'ai loupé l'explosion. Voilà, j'ai envie de faire ça. Voilà. Nous y sommes. C'était l'un des anciens postes du relais cosmique. Il servait de lien avec... Alors les textures, hein, vous voyez, pas trop dégueulasses. Hein. Mis à part ça, ce machin-là, ce truc, c'est vraiment dégueulasse. Sinon ça va. Alors notre pantalon en type peau de crocodile, on en parle ou... Non, ça va. Hein. Attendez. Le mec, il fait chier, tu sais. On voit du gameplay. On peut pas voir des textures. Alors, regardez pas la vidéo, hein. Attends. Putain, j'ai des frissons quand je joue à un jeu, c'est vraiment fou que ça m'arrive. C'est quoi sa réapparition limitée, là? Les déchus ont scellé cette porte. Je vais l'ouvrir. Car je m'appelle... Ça me fait peur, des fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir des fantômes et tout, tu sais. Vas-y, balancez-nous les trucs de... d'une autre dimension. Ça, c'est magnifique, hein. Les effets de lumière. Waouh. J'assure, c'est fluide. Franchement, c'est vraiment fluide. C'est aucune baisse de framerate, c'est vraiment parfait. Beaucoup plus loin. J'ai un mauvais pressentiment. Et ta gueule, toi, me dis pas ça. Y a pas de mauvais pressentiment, ça se passe très bien. La lumière, ça va pas le faire. Impossible. C'est la ruche. Et... What the... Maman! Putain, sans déconner, c'est quoi ce machin? Cassez-vous, quoi! Putain! Maman! J'ai peur! What the fuck? Cassez-vous! S'il vous plaît, quoi! Putain, j'aurais dû me mettre en facecam parce que là, ça aurait été vraiment joué. Ah, putain, les enfoirés! Impossible, c'est la ruche, tu vois 36 millions de bêtes qui arrivent sur ta gueule, mais non, si tout va bien, tu sais. Putain. Alors, où est-ce qu'il y en a d'autres? Vas-y, moi j'arrive. Attends, c'est pas eux qui sont immunisés là? Tout à l'heure, ils étaient immunisés. Pourquoi ils le sont plus là? Oh putain, tu tailles. Vas-y, on s'en bat les couilles, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as voulu faire avec Skyman? Tu crois que t'es qui? Tu crois que t'es... Moi, je viens de la cité, mon gars. Fais gaffe, hein. Ma gueule. Hein?
On va se ressaisir parce que là j'ai découvert de la merde. Hop, vous savez quoi, on va se jouer carrément sniper. Hein, n'est pas venu sur Terre. Phase Blue Skyman. Alors attends. Il doit y avoir une prêtresse dans les environs. En fait, ça m'a fait peur deux secondes, mais maintenant c'est fini. Oh, 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 ça veut pas passer. Oh, sans déconner, mec. Et puis là, en plus, c'est réapparition limitée. Ça veut dire que si je meurs, je vais pas réapparaître dans la zone. Je pense que c'est un truc comme ça. Putain, il fait mal le Magnum, c'est un truc de ouf. Peut-être moyen de l'améliorer. Hein. Moyen d'améliorer. Vas-y, on s'en bat les couilles, on vise pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Putain, ils vont me sautomiser là. Oh my god. Bon bah c'est cool, on va battre un. Oh putain, sans déconner. Mec, me fait plus ça quoi. Qu'il a ce putain. What? Le mec, il a eu peur. Son copain, il s'est fait défoncer. Il a peur. Calme-toi. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il disparaisse automatiquement. J'aurais bien aimé qu'il ait cadavres de corps par terre. Enfin, qu'il disparaisse au bout d'un moment, mais qu'il y en ait quoi. Putain, mais on a désingué, mon gars. Il est désingué. Oh, mais j'ai peur. Peur parce que ça lance des trucs électriques et j'aime pas ça. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Ah, attends, ça faut le battre. Hein. C'est ce machin là. C'est ce machin là. Alors vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder nos balles de Magnum. Et j'ai lancé ma seule grenade parce que j'ai encore paumé ma touche de. On va prendre la petite M4. Enfin, moi je l'appelle comme ça, on peut l'appeler comme vous voulez. On va battre ce machin là. Il est en train de nous défoncer. Ah ok, en fait les grenades se régènent. Regardez en haut, en bas à gauche. Tout à gauche, il y a une barre de grenades qui se régènent. Alors ça c'est bon à savoir, vous voyez. En fait il va être sympa à battre celui-là, ce boss. Après, bon, je bouge mes balles. Et vu mon corps, hein, il s'est cru. C'est cru là. Mec, tu t'es cru où quoi? C'est ça qui t'a à faire là? Vraiment agréable. Oh non, il régène sa life quoi, sans déconner. Hein, vous connaissez ça, vous? Bon, attends, le seul moyen, c'est que ça va être. De toute façon, les sbires, je pense qu'ils vont venir à l'infini. Hein. Donc autant. Ok, très bien, faut prendre les escaliers, voilà, excusez-moi, j'ai pas mal aidé. Faut prendre la porte principale avec eux. Oh non, en fait, il va être extrêmement simple à battre. D'accord, je sais pas ce que j'ai fait. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, il est où ce fils de pute? Voilà. Maintenant, le titre de la vidéo, ça sera « Tue un boss au Magnum ». La ruche n'est pas venue sur Terre depuis des siècles. Cette prêtresse vient de la Lune. Dire qu'on les pensait contenus là-haut, les ténèbres doivent être plus proches qu'on ne le pense. Eh bien, plutôt sympa cette petite mission, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, ça m'a bien plu. Ok, donc fin de la mission dans 8 secondes, ça fera une vidéo de 40 minutes. Ben, moi, ça me va très bien. C'est plutôt cool pour vous et... Au moins, voilà, s'il n'y a pas eu de vidéo pendant pas mal de temps, ça fait une grosse vidéo d'un coup. Donc ça, c'est cool. Hop. Donc, on est grade combien? Grade 3, très bien. Bientôt grade 4. Alors, j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez compliqué pour monter en grade là-dessus. Enfin, en grade au niveau, hein. Parce que des grades, voilà, quoi. Tac, donc, quelques petits moments de frisson. Je vous avoue que ma peau, c'est un peu... peau de poulet, hein, comme on appelle ça, ou les poils s'hérissent comme ça. Donc, hop, amélioration débloquée, mais ça, je verrai ça plus tard. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo vraiment longue. N'hésitez pas à la voir en deux fois. Et puis, bah, si vous voulez tout vous mater d'un coup, bah, vous prenez de la boisson gazeuse ou plate, hein, comme vous voulez. Et puis, des petits biscuits, comme ça, c'est plutôt cool. Alors, je vais vous laisser.
Et puis une prochaine vidéo le lendemain normalement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao tout le monde.